Adrienne Bolland, L'art de piloter sa vie. Une émission imaginée, écrite et réalisée par Colline Berry, illustrée et sonorisée par Anne Vanier. Chers amis internautes, bonjour et merci d'être présents pour cette première émission de la collection Cordes Raides qui va traiter longuement, très longuement, du sujet Adrienne Bolland. Alors pour vous raconter l'histoire, le destin incroyable rocambolandesque de cette référence de l'aéronautique et de la vie tout court, eh bien je vais prendre mon temps et je vais faire mienne la devise de Clément Ader qui était « pas à pas, saut à saut, vol à vol ». Je vais donc vous la raconter de petits épisodes en petits épisodes, croustillants, et pour ce faire, je ne vais utiliser que des archives originales et des documents inédits et parfois des objets réalisé et que j'ai la chance d'avoir en ma possession et qui n'existe qu'à un seul exemplaire. Toutes ces vidéos auront sous le lien qui est en bas, que vous voyez, une extension payante. Sur ce lien, vous aurez toujours la liste des éléments, des archives donc, que je mettrai à votre disposition. Alors le but est que vous en sachiez le maximum et que vous voyez le maximum de choses. Alors si les extensions sont payantes, je le précise tout de suite, c'est d'abord parce que ça demande un travail assez considérable pour que vous ayez des éléments lisibles et utilisables facilement. Et puis ensuite parce qu'une partie est reversée à l'association des femmes françaises pilotes. Une autre partie va me servir à continuer mes recherches et les recherches vont se poursuivre en 2020 ici aux archives départementales du Loiret, puisque j'ai eu la chance de donner là-bas une conférence lors du legs des archives personnelles d'Adrienne Bolland au département du Loiret. Et comme vous le voyez, il y a pas mal de références et je dois aller travailler, tout noter, retravailler, puisque j'en connais une partie mais pas tout, et que tout est intéressant en fait. Donc il faut que je puisse y aller un certain temps, sachant que pour ceux qui ne connaissent pas les archives, on ne peut consulter que 10 codes par jour. Et puis nous arrivons à la date de 2021, bientôt, et nous allons fêter le centenaire de la traversée des Andes par Adrienne Bolland. Donc ça, cet événement va donner lieu à de nombreux événements en Amérique du Sud. Bien évidemment, il va falloir que j'y aille et que je continue l'enquête en Uruguay et au Brésil, puisqu'ils ont aussi beaucoup de documents là-bas. Et enfin, le but de ces extensions payantes est que je puisse continuer à travailler, à fabriquer des objets, des goodies avec mes mains de plasticienne sous le nom d'Anne Vanier, et afin, dans le but de contenter le plus de jeunes possible. C'est le but. Donc, abonnez-vous. Likez ou pas, c'est comme vous voulez, bien sûr. Et le site de la collection Cordes Raides vous attend pour ceux qui veulent en savoir plus et savoir ce qui s'est passé sur cette enquête Adrienne Bolland, avant que j'arrive à vous sur YouTube. Alors je vais vous présenter d'abord les ouvrages. Alors le premier que je vous présente est celui qui m'a fait découvrir Adrienne Bolland. C'était une vraie belle surprise et donc il était signé Pierre Belmar, que j'avais eu la chance de rencontrer avant son décès. Et arrivé il y a 10 ans, en 2009, à la page 45, je vous fais tout de suite un arrêt sur ce numéro 45 parce que vous verrez que c'est un numéro, un chiffre qui revient tout simplement parce que c'est le département du Loiret. Adrienne Bolland était originaire du Loiret. Donc on commence par ce livre, La chaise renversée, la découverte. On a besoin d'un macabée de plus en Amérique du Sud. Et là je découvre, il y a 10 ans, une jeune femme qui n'avait non pas 30 ans mais 25, parce qu'il y a malheureusement eu pas mal d'erreurs dans quasiment toutes les publications françaises, mais vous comprendrez pourquoi en déroulant le fil des archives avec moi, puisqu'on ira loin, on ira jusqu'au Brésil et jusqu'au Chili. Et je découvre une jeune femme absolument sidérante qui, en effet, réalise un exploit dont je n'avais jamais entendu parler. Et quand je sais qu'on me cache quelque chose en termes d'histoire, je sais que forcément, ça, y a un loup quelque part.
Et le loup, en effet, était assez monumental, comme vous le verrez. Mais le but était que je la découvre, et je la découvre, et je m'aperçois que le 1er avril 1921 était déjà inscrit dans son destin, comme dans le mien d'ailleurs, mais ça, c'est tout à fait accessoire. Là, nous sommes en 1978. Bien évidemment, après cette recherche, je cherche les autres livres. Je tombe sur un autre livre où on parle un tout petit peu d'Adrienne Bolland. Alors, dans l'extension, vous verrez, bien sûr, qu'il y aura toute la bibliographie. Voilà, elle sert aussi à ça, l'extension, à ce que je vous livre. Tous les détails, tous les textes, tous les actes, tous les articles de presse écrits. Vous pourrez faire des captures d'écran. Enfin, vraiment, je veux que, surtout, diffuser toutes mes archives. Puisque j'en ai trop en fait, et si ça flambe chez moi, j'aurai plus rien. Et tout le monde aura perdu quelque chose d'important. Adrienne Bolland est mentionnée sur deux pages, mais c'est surtout un livre important, puisque vous le verrez, elle est à l'origine de la création de l'aéroclub de Mont-de-Marsan. Donc évidemment, faire son éloge était quelque peu logique. Juste après sa mort est paru cet excellent fascicule, pardon. Le direct aussi fait que si je bafouille, eh bien je bafouille, il faudra le supporter. Et dans celui-ci, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. D'abord, il y avait des photos. Alors, nous étions en 2009, hein, donc Internet était quasiment débutant en termes d'archives de toutes sortes, y compris celles au sujet d'Adrienne Bolland. Et dans celui-ci, je découvrais une chose importante. Oups. D'abord, c'était des photos des différents séjours d'Adrienne Bolland en Amérique du Sud, ce qui n'était pas rien. Et puis, à la fin, se trouvaient des grandes étapes de sa vie. Alors, bien évidemment, les grandes étapes étaient plutôt minces, si comme vous pouvez en juger. C'est pour ça que, très vite, en fait, j'ai compris qu'il faudrait que je refasse tout son emploi du temps. Ce que j'ai fait en partie et ce qui est toujours à compléter, d'où la suite des recherches. Parce que comme vous le voyez, on en est passé de 20 dates à quelque chose comme 90 pages. Ensuite, Marie-Joseph de Bourgard, qui avait rencontré Adrienne juste avant le cinquantenaire en 1971, raconte évidemment les exploits en partie, puisqu'en fait elle commençait, c'est ce que dit d'ailleurs très bien le livre de Pierre Belmar, c'est qu'en fait on apprend qu'elle meurt en 1975, et qu'elle réalise après 1921 nombre d'exploits pour l'aviation française. Marie-Joseph de Bourgard ne s'appesantit pas trop sur la suite des exploits, mais offre une nouvelle version, une nouvelle vision, et je commence à découvrir qu'Adrienne Bolland a volé au Brésil. Et là, bien sûr, la curiosité est encore plus attisée. Et puis, on arrive en, je crois que c'était en 1972, le général Raymond Barthélémy. Là, il faut vous préciser qu'Adrienne Bolland était très 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 fâchée avec les militaires, vous comprendrez aussi pourquoi. Mais comme elle le dira très bien à Jacques Chancel en 1972, oui mais le général Barthélémy, c'est pas pareil, c'était un copain. Donc le général Barthélémy l'interview. Donc là c'est un entre encore intéressant, parce qu'elle parle encore d'autres détails, mais l'inconvénient majeur de tous ces livres est qu'il n'y a aucune date. Vous n'avez aucune chronologie qui se tienne, et on la laisse raconter au fil de ses souvenirs et de sa mémoire. Et bien sûr, comme vous le savez, en vieillissant, nous avons tous la mémoire qui revisite et qui révisionne certaines choses. Cette interview est également parue dans un numéro d'Icar, dont je donnerai bien sûr les références par la suite. Passons à Hervé Lovic, un grand monsieur de l'aviation qui a écrit pas mal de manuels de pilotage, qui est un des premiers aussi à écrire sur les femmes aviatrices, que vous voyez ici. Et là, on a un petit aperçu aussi de l'histoire d'Adrienne Bolland. Il y a quelques photos des unes et des autres dans ce livre-ci, mais je ne me rappelle plus s'il y a
Si, elle est là, Adrienne Bolland. Elle est là, et d'ailleurs là, vous avez René Caudron. Et elle se trouve non pas dans un G3, mais dans son Morane Parasol. Mais le texte est assez... Bref, j'avoue. Il a fallu que j'attende 2011, les 90 ans de son vol, pour, lors de mon premier voyage de recherche en Argentine et au Chili, recevoir en cadeau un très très beau livre de la référence, Angel Maria Zuloaga, qui est une édition ancienne, mais qui celle-ci est de 1958, où bien sûr, bien évidemment, Adrienne Bolland est mentionnée deux fois. Une première fois pour ses exploits en Argentine et au Chili, et pour d'autres moments au Brésil. Et nous arrivons, vous voyez, ça va très très vite, hein. J'étais assez pauvre en termes de début d'enquête pour commencer l'affaire. Et nous tombons en 1948, juste après la Deuxième Guerre mondiale, sur Femme de l'air de Roland Tessier, qui débute fort, puisqu'il dit déjà dès le départ que c'était une jeune fille insupportable. Insupportable, on va dire plutôt qu'elle avait envie de vivre sa vie, n'est-ce pas? Et je crois que c'est tout, tous les pilotes sont bâtis sur cet acabit-là. Donc en fait, ils sont tous insupportables ou merveilleusement rebelles, en tout point. Et dans celui-ci, il y a un petit peu plus de détails, parce que tout simplement parce qu'on était en 1948 et que la mémoire d'Adrienne ne flanchait pas encore pour certains faits. Voici pour la bibliographie, mes amis. Alors, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que pour qu'Adrienne Bolland naisse, il fallait déjà que ses parents naissent et puis se rencontrent. Bien. Dans cette énorme liste d'ascendance, on va de surprise en surprise. D'abord, parce que certains noms, vous le verrez plus tard, rebondissent à son histoire personnelle, familiale, son histoire de couple avec son futur mari. Mais ça, vous le verrez plus tard. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de voir jusqu'où elle remonte, d'où le titre de cet épisode, Les ascendances royales d'Adrienne Bolland. D'abord, donc, nous savons que nous sommes en Belgique, à Verviers, dans le canton, de Liège. Et nous avons de la chance puisque le canton de Liège est la partie francophone de la Belgique, qui est à l'époque un royaume. Bien, son papa, Henri-André-Joseph Bolland, dont vous remarquez les deux ailes, puisqu'il y a eu toute une affaire avec Adrienne Bolland qui avait deux ailes, qui avait rajouté un aile à son nom. Bref, non. Et vous verrez pourquoi. Un aile ou deux ailes, Bolland, c'est le même combat. Bien, le grand-père d'Adrienne du côté paternel était cordonnier et sa grand-mère du côté paternel était couturière. Ils étaient donc de Verviers. Le canton de Verviers était un grand centre, un important centre de fabrication de tissus, après avoir été longtemps agricole, de tissus et surtout, et également plutôt, de ferronnerie. Bien, ce qui fait que dans les ascendants d'Henri Bolland, vous avez des tisserands, des cloutiers, des tonneliers. Et puis, quand vous remontez ces ascendants, qui évidemment se multiplient à mesure que vous remontez le temps, comme tout le monde, comme chacun de nous, vous arrivez à la fin des ascendants maternels, puisqu'on arrive à un certain stade et puis on ne peut pas aller plus loin, mais en revanche, l'ascendance paternelle est très 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 intéressante, puisque de territoire en territoire, de Lorraine et d'Anjou et de Boulogne et de Flandre et de Normandie, on arrive à un nom merveilleux, splendide, que vous voyez ici. Je pense que pas besoin que je m'approche trop. Voilà. Donc, on sait aujourd'hui que Adrienne Bolland descendait de Hugues Capet et puis même plus loin de Pépin le Bref.
Cet élément-ci fait également partie, il est très très important, il a été très long à fabriquer par Madame Thoron, donc je la remercie pour ce travail inouï, et il sera également disponible dans les extensions. Donc avec Henri Bolland, le papa d'Adrienne, nous sommes dans la région de Liège, Verviers. Je disais Bolland, un L, deux L, Bolland, deux L. Vous verrez qu'après, il en enlèvera un à son nom, et pour une bonne raison aussi. L'acte, vous l'aurez également dans l'extension, mais de façon lisible, hein, parce que je les ai tous retapés. Et en fait, Bolland, deux L ou un L, je disais même combat exactement, puisqu'en fait, le Bolland est un ruisseau, que d'un côté de ce ruisseau et de l'autre côté, les cousins homonymes se sont placés en disant ben, « moi je prends un L et toi tu prends deux L ». C'est pour ça que dans son arbre généalogique, vous avez les deux possibilités. Donc Adrienne Bolland aurait pu avoir une L ou deux L. C'est selon, ça aurait été selon son envie. Les Bolland et le Bolland se trouvent ici, et le nord de la France ici. Entre les deux, vous avez Bruxelles, où bientôt le jeune Henri Bolland ira travailler et faire carrière. Verviers était donc un site extrêmement productif, extrêmement industrieux, une région très longtemps sous la main mise et sous le joug de Charles Quint, donc c'est-à-dire avec des ascendants espagnols pour nombre de Belges. Et nous voici avec le jeune Henri Bolland, le papa d'Adrienne, qui était né également, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais elle est née le 25 novembre 1895, maintenant vous le savez. Lui était né le 25 novembre également, en 1854. C'est un jeune homme plein d'ambition, dont le père donc est cordonnier, la mère est couturière. Ils habitent à Verviers, il est l'aîné de trois garçons. Et très tôt, il se prend de passion et d'amour pour l'écriture, pour la vie intellectuelle. Et très tôt, dès 1875, le jeune homme écrit des essais politiques que je n'ai jamais trouvés, hormis celui-ci qu'on trouve sur Google Books, je crois. Sinon, les autres, je les cherche, notamment ce roman qu'il écrira en 1907, que j'aimerais beaucoup lire. Mais il écrit, il a déjà une grande volonté de, on va dire, de régner par la plume et par l'intellect. Et ce garçon va faire donc ses débuts littéraires, puis intégrer une librairie, puis devenir rédacteur en chef d'un journal qui va faire débat. Mais avant d'être rédacteur en chef, il travaillera dans une banque. C'est à Verviers, bien sûr. Comment oublier Victor Hugo et son exil en Belgique, puisque rappelez-vous, en 1851, il y a un pamphlet dans lequel notre poète en chef déclare la guerre finalement à Louis-Philippe, à Louis-Napoléon Bonaparte et à son coup d'État. Victor Hugo est banni, Victor Hugo rejoint en 1851 Bruxelles, puis Anvers, Londres, Jersey et puis Guernesey. Le jeune Henri Bolland, bien sûr, connaît l'œuvre de Victor Hugo, comment ne pas la connaître quand on est un jeune intellectuel. Et puis, peut-être que vous le savez, mais enfin Victor Hugo reviendra en France après la défaite de Sedan de Louis-Napoléon, et la capitulation de celui-ci, et il mourra en France. Mais il aura séjourné à Guernesey, et ça c'est une chose très importante. Henri Bolland est fasciné par l'ambition, par la célébrité, par la gloire aussi, et donc il est à l'époque, en 1880, il travaille dans une banque, et on entend parler de lui. Un petit peu plus tard, pour nous qui nous intéressons à sa fille, Adrienne, dans le Loiret. Et on apprend qu'il a voyagé jusqu'à Donnery, dans le Loiret, tout près d'Orléans. Je cache Arcueil parce que c'est simplement un petit peu plus tard qu'il ira à Arcueil. Donc le jeune, notre frais et sémillant Henri, arrive à Donnery, dans les années 1880, pour faire affaire. Il fait affaire pour une banque. Et pour un journal, les deux à la fois. Alors Donnery est un petit bourg
absolument charmant, qui a vu le canal s'installer dans la continuité de celui qui va à Paris, et les maisons de vin, comme il y avait quelques vignes, se sont installées, des négociants se sont installés, et les fortunes se sont faites. Lorsqu'il arrive à Donnery, eh bien, Henri traverse le village, traverse le canal, certainement. Et puis, dans le village, on lui apprend qu'il y a des Belges, une famille belge qui est installée et qui vit dans le château d'Alonne, à la sortie du village. Donc, Henri Bolland se présente au château d'Alonne, vient faire ses civilités, comme on le faisait à l'époque, avec beaucoup de joie, certainement, puisque c'est quand même sympathique de voir des amis du pays lointain. Et à Alonne, il découvre une famille qui s'appelle la famille Pasque. Et le père de famille s'appelle Jean-Joseph, et la mère de famille s'appelle Marie. Alors Jean-Joseph et Marie ont 29 ans d'écart. Ils ont fait 8 enfants. Henri va découvrir que l'une d'elles... Alors d'abord, peut-être sans doute, ça je ne sais pas en fait, mais dans le village en tout cas, peut-être qu'il apprend que Madame Pasque, anciennement Madame Mouillera, Anne, non pas Marie, avait un oncle qui a fait construire une des plus belles villas, qui est aujourd'hui l'hôtel de ville de Donnery. Ça, je pense qu'on a dû lui dire, parce que il est bien rare que les choses ne se disent pas dans les villages. Et donc, monsieur et madame, donc monsieur, lui, est tout à fait d'ascendance belge, puisqu'il a hérité de son père, qui lui-même a hérité de son oncle qui n'avait pas d'enfant, donc il a hérité du château d'Alonne, donc il est devenu propriétaire terrien et propriétaire de beaucoup de fermes et de beaucoup de terres, donc c'est un homme riche, qui mourra en 1890, donc on n'en est pas très loin. Ici vous avez un portrait d'après un dessin que possède la famille qui date de 1887. J'imagine que ce portrait-ci date du deuil de la mère de Madame, de la future Madame Bolland. En tout cas, en arrivant à Donnery et au château d'Alonne, il découvre une famille nombreuse qui a plusieurs filles et plusieurs fils, dont une fille qui s'appelle Marie et qui a pour dernier nom Alony, comme le château, et dont il tombe amoureux. Alors, ils ont un an d'écart, elle est née en 1853, lui en 1854, et les voici qui se comptent fleurettes, certainement, j'espère en tout cas. Et dans la famille, il y a également d'autres frères, dont quasiment uniquement des célibataires, c'est ce que vous donnera l'arbre généalogique dans l'extension, et dont le fameux Constant qui aura un rôle à jouer un petit peu plus tard. Pour l'instant, ils tombent amoureux. Un mariage est rapidement, relativement vite décidé. Et ils s'épousent. Ils s'épousent et comme cadeau de mariage, Henri va offrir, puisqu'il est en affaires, n'oubliez pas, hein, il travaille pour une banque, hein, et pour un journal, il va lui offrir une maison qui est très 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 connue à Donnery et qui s'appelle Les Charmettes. La maison des Charmettes a une histoire absolument splendide. Tout à l'heure, je vous parlais du dessin rocambolandesque d'Adrienne Bolland. Et donc, cette maison date visiblement du XVIIIe siècle. Elle appartenait au départ, c'est un négociant qui l'a fait bâtir en remplacement d'une structure de négoce de vin. C'était au départ un entrepôt. Il a gardé la charpente de l'entrepôt. Il a fait bâtir la maison. Il a utilisé la charpente pour faire celle de la maison. Il a même fait installer une forge dans la cour pour réaliser toutes les rampes d'escalier de la maison. La maison est bordée, comme vous le voyez, par le canal.
hein, sur à peu près 50 mètres, donc avec un quai très pratique pour le déchargement des tonneaux, puisque c'est toujours une maison de vin. Et en 1798, eh bien, le 24 Fructidor de l'an 6, c'est un négociant parisien, Antoine Charmet, qui va acheter la maison. Donc on imagine, en toute logique, que les Charmettes s'appellent les Charmettes grâce à Monsieur Charmet. Et en 1840, et en fait de 1840 jusqu'en 1861, la maison appartiendra à des négociants. Jusqu'à ce que, le 19 février 1861, un écrivain qui s'appelle Pierre-Alexis Ponson du Terrail achète les Charmettes. Et Ponson du Terrail ne vous dit peut-être pas grand-chose, parce qu'on l'a totalement oublié à notre époque, mais c'est l'auteur, l'auteur de Rocambole. D'où le mot rocambolandesque. Donc, M. Ponson du Terrail s'est installé dans cette maison. Il a fait même construire un chalet dans lequel il écrivait. Et puis, pendant la guerre de 1870, il s'est fait blesser dans la forêt d'Orléans. Et il est mort à Bordeaux en 1871. Il faut attendre 1880 pour qu'un jeune homme... arrive, comme vous le savez, à Donnery, un jeune homme de 28 ans qui est majeur, célibataire, et qui décide d'acheter les Charmettes avant son mariage, puisqu'il va se marier en 1882 avec Marie-Joséphine Alonie Pasque. Et là va débuter un épisode tout à fait inattendu dans la famille. Complexe, désagréable, très désagréable pour une famille de, comment dire, qui aimerait garder sa réputation, c'est qu'un scandale en fait court sur les semelles du jeune Henri. Dans la presse de 1882 à 1885, nous allons retrouver un scandale, l'affaire dite Bolland, avec vraiment des termes très vraiment pas sympathique du tout pour ce jeune homme. Et donc on apprend en fait que Henri Bolland s'est associé à un autre Henri, Jacquemin, qui était à l'époque gérant de la Banque du Luxembourg, directeur s'il vous plaît, et que ce monsieur Jacquemin faisait depuis 15 ans des blancs-seins et des faux pour récupérer l'argent d'une partie des agriculteurs qui n'avaient pas assez pour avoir de gros comptes mais suffisamment pour attendre des intérêts. Eh bien, Monsieur Jacquemin leur proposait de prendre ses intérêts sur lui et de les faire fructifier. Sauf que la chose était plutôt mal vue par la Banque nationale, qui n'avait pas envie de s'occuper de ça. Et donc, il va fonder, avec l'aide d'Henri Bolland, une société de crédit foncier agricole belge, puisque là on parle de 40 millions hein, de francs, pour éviter, on va dire, un choc et d'affronter la Banque nationale. Donc les deux hommes fondent une banque et puis très vite, le jeune Bolland lui explique que pour, partager, diffuser, communiquer autour de cette banque, et ce qui serait très intéressant, ce serait de fonder un journal. Donc, ils vont fonder un crédit foncier agricole, et puis Henri Bolland va fonder le National, qui va paraître à Bruxelles, et dont il sera rédacteur en chef. À ce moment-là, tout l'argent qui est faux, qui est volé, hein, on n'est pas très très loin de l'histoire de l'affaire Madoff, donc je pense que ça vous rappellera quelque chose, Henri Bolland va simplement vivre avec l'argent qui a été volé par M. Jacquemin, vivre, voyager, on va le suivre en Angleterre, en Irlande, en France, où il va très très tôt se rapprocher de toute la classe politique pour donner une assise sérieuse à cette affaire. Et là commencent vraiment les problèmes, puisque au moment où M. Jacquemin va se tourner vers la justice, toute la correspondance des deux hommes va paraître. Et cette correspondance est assez terrible, dans le sens où on apprend que Henri Bolland raconte à Jacquemin qu'il part à Cherbourg, qu'il va être accompagné du président de la République, qu'il va aller rencontrer aussi Victor Hugo, qu'entre-temps, il s'est marié, comme vous le savez, qu'il a acheté un château avec l'argent volé au bon citoyen belge.
Et peut-être que l'affaire ne serait pas sortie si Henri Bolland n'avait pas affirmé qu'il avait donné, donc on appelle ça vraiment une grosse arnaque, payé, on va dire, le silence de deux députés pour une somme de 16 000 francs. Lorsque l'affaire paraît, elle va faire les choux gras de la presse, d'autant que ces messieurs sont plutôt à gauche. Et que, comme vous le savez, le pays à ce moment-là est plutôt à droite et à l'extrême droite. Le plus troublant lorsqu'on lit le déroulé de tous ces articles, dont vous pourrez lire non pas la synthèse, parce que je me garderai bien de faire, là j'essaie de vous la faire, mais c'est vraiment tout à fait complexe, mais où je vous donnerai tout, vous pourrez lire tous les articles dans l'extension. Eh bien, on va lire une phrase absolument terrible qui va rappeler une phrase qu'on entendra en 1921 avec sa fille. Bolland parlera, Bolland ne parlera pas. Et vous lirez une phrase de ce style-là en 1921 où on dira d'Adrienne, la Miss Bolland traversera ou la Miss Bolland ne traversera pas. Je vous rappelle qu'ils sont nés tous les deux le 25 novembre, le même jour. Il y a peut-être là un signe et peut-être qu'il y a un autre signe puisque en 1907, il fera paraître cet essai sur les vies antérieures. En tout cas, d'article en article, on apprend qu'il est narcissique, mythomane, harceleur et prétentieux. On comprend que le visage peut-être de sa belle-mère sur le tableau lors des obsèques de son mari n'était pas très joyeux, puisque la famille se retrouve très ennuyée. Il va falloir que les Charmettes soient rachetées pour éviter tout problème. Et les Charmettes sera rachetée. Et Constant Pack s'y installera, non plus pour vous faire une maison, enfin pour faire une maison certainement, mais surtout pour faire sa maison de vin. Bref, la maison reste dans la famille. Et au moment où on apprend que eh bien, Henri Bolland doit passer 2 ans en prison et qu'il doit payer 2 000 francs, alors que on apprend dans les articles qu'en tout, la somme volée aux petits épargnants est de l'ordre de 500 000 francs, eh bien, Henri Bolland s'en va. Et Henri Bolland s'enfuit après cette condamnation, disparaît et il va rejoindre Guernesey. Aujourd'hui, ça paraît logique, puisqu'on sait que. Et puis dans les articles, vous allez lire également des choses sur Victor Hugo, puisqu'il était tout à fait obsédé par cette figure tutélaire, ce mentor intellectuel, à tel point, que c'est Henri Bolland qui écrira l'adieu des Guernesayais et qui le lira en public lors des obsèques au Panthéon de Victor Hugo. Et voici le couple en fuite. Et ce couple a déjà un enfant. Ils ont déjà une petite fille. Ils s'enfuient à Guernesey, dans le quartier qui s'appelle Huby-de-Bas. À Guernesey, sachant qu'il n'a plus de travail, qu'il n'a plus de fortune, qu'il n'a plus rien et qu'il a même certainement perdu l'estime de toute la famille de sa femme, le jeune homme fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire marcher, regarder, rencontrer et puis écrire. Et de finalement cette catastrophe, de ce scandale politico-financier, eh bien Henri Bolland va faire un trésor et il va renaître tel un phénix avec un autre nom, enfin on va dire son autre nom, maintenant vous savez qu'il peut avoir deux noms. Et il va faire publier des textes, d'abord ce premier texte sur les îles de la Manche. Dans mes envies, vous voyez, chers internautes, dans mes envies, il y a celui de repartir sur les traces d'Henri Bolland, qui là s'était adjoint un dessinateur et puis un graveur, pour reprendre des photos des mêmes lieux. Parce que je pense qu'il y a certaines choses qui n'ont pas changé. Et il écrit, il raconte tellement bien que son nom retraverse la Manche. Bien sûr, il a vieilli un petit peu. Il a eu 3 enfants à Guernesey. Et il va rencontrer un homme qui va se montrer très intéressé par son travail, qui s'appelle Adolphe Johann.
Adolphe Johann est le créateur des guides Johann. Vous aurez quelques exemplaires dans l'épisode suivant. Et pour ce faire, pour vraiment écrire pour les guides Johann, il va falloir qu'il revienne en France. Donc il revient en France avec femme et 3 enfants. Et la famille s'installe à Arcueil-Cachan. Arcueil est au sud de Paris et est à, on va dire, une demi-heure de la capitale. Là, dans... pardon. Là, vous voyez Arcueil et là, vous voyez Paris. Et la famille va s'installer à l'époque aux 2 rue des Écoles, qui est aujourd'hui le 14 rue Paul Signac. Vous aurez aussi beaucoup, beaucoup plus de choses dans l'extension. C'est ici. Donc vous avez la ligne de chemin de fer et donc Arcueil en 1800 et ils reviennent en 1891. C'est une ville plutôt peuplée de petites gens, hein, c'est pas une ville très chère, mais rappelez-vous, ils n'ont pas d'argent, ils arrivent totalement ruinés et ils ont déjà de la chance d'avoir une grande maison comme celle-ci. Et de fil en aiguille, Henri va rencontrer un monsieur très important qui est Abel Balif, le président du Touring Club. Et le Touring Club va embaucher Henri Bolland pour son grand plaisir et puis plus tard peut-être pour son grand malheur. La famille en photo dans le jardin de la maison d'Arcueil, avec déjà Marie l'aînée qui était née en 1883, Benoît, né en 1885, Antoinette et Bernardine. Et c'est donc à Arcueil-Cachan que va naître, le 25 novembre 1895, notre jeune Adrienne, Armande, Pauline, il en manque un, Bolland. Et ce sera le 7e enfant de la famille et d'Henri Bolland et d'Alonie Pasque. La suite, c'est l'épisode 2.